Eh bien, bonjour à tous. Voilà, premier objectif de l'année. Normalement, ça devait être le trail des Anglais, mais bon, ça a été annulé pour cause de météo défavorable. Donc aujourd'hui, je me situe dans l'est de l'île, à Brapanon, pour le trail de l'Éden, donc un 25 km, 980 mètres de dénivelé. Donc j'espère que ça va le faire. Et je vais essayer de me filmer, de partager ça avec vous. Donc souhaitez-moi bon courage et c'est parti. Et c'est parti. Allez, 3 600 km. Je profite du goudron parce qu'après ça va pas être la même. Il semblerait que ce soit parti pour les 980 mètres de dénivelé. Chaque fois que je filme, j'ai l'impression de marcher, mais je vous promets, je cours des fois. Ça monte pas mal. J'en suis à 6 800 km et les 11 premiers kilomètres, c'est là où on se fait le plus de dénivelé. Donc, faut s'accrocher. Bon, c'était le deuxième ravito. J'ai vu madame. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mon blog, voilà, ma petite chérie avec mon chien Safran, les supporters. Donc on a 10 km, waouh, la montée était dure dans la boue. Mais là, allez, on continue. Ça devrait être plus facile, ça va descendre un peu maintenant. J'espère en tout cas. Donc voilà, c'est parti.
Ah, j'ai été obligé de m'arrêter quelques secondes, même minutes, sur le bord de du sentier. Parce que la dernière partie de la montée était assez rude. Je commence à avoir des crampes. Il y en a une qui m'a prise. Heureusement, c'est passé vite. Donc ouais, j'ai pu me relancer. Et c'est un peu plus roulant. C'est plus facile, il y a moins de boue. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Allez, 2 heures de course, presque 14 km. On continue. Ah, c'est un peu plus facile, c'est plus roulant. Mais bon, il reste encore 10 bornes pratiquement. Donc c'est loin d'être fini. J'espère que j'en aurai encore sous le pied. Mes crampes ont disparu, donc ça va. Mais bon. Voilà, on continue. Je cours pour ça, pour la vue. Même si la pluie farine, c'est un peu invité. J'ai les pieds trempés. Je suis au 17e kilomètre. 2h28 de course. Les jambes sont un peu lourdes. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet là. Je vais commencer un petit peu à déguster, je pense. Et ça monte toujours dans ce pays. Je sais pas pourquoi j'ai pas choisi l'île d'Oléron ou l'île de Ré pour faire du trail. La Réunion, ça chauffe les mollets. Bon, je profite de la vue pour m'étirer un peu. Je vais commencer à tirer. Je me fais même doubler par des femmes. Ça me dérange pas, hein, tant qu'elles ont plus sous le pied que moi. C'est normal. Hein. L'entraînement, c'est pour tout le monde pareil. Elles s'est mieux entraînées que moi, sûrement. Allez. On repart quand même. Délivrance, elle est là-bas. La ville de Brapanon. Bon bah, j'ai le droit à une petite gamelle. Ça glisse. Il faut faire attention jusqu'au bout. Allez, 18 km 17. Faut pas mollir. De toute façon, hein, personne m'a obligé. Et puis 25 km, hein, c'est jamais que 5 fois 5 km. Hein, si mes calculs sont bons. Je sais pas si je suis encore en état de compter là. Mais. Non, si quand même.
Ça va, ça va. Allez. Tiens beau dans le sentier, comme disent les Réunionnais. Oh, un chemin béton, dis donc. Sans racines, sans boue, sans gadou. Bon, je viens de passer le dernier ravitaillement au point 20 km. Il me reste 5 km encore et sur la route. J'espère que ça va pas faire trop mal. Allez, on n'a jamais été aussi près de l'arrivée. Hein, on va pas abandonner maintenant. Allez. Ça commence à être dur là. Mes mollets et le bas de mes cuisses me disent qu'elles ont hâte de terminer là. Mais bon, on approche de la ville. Bientôt le stade et la délivrance. Ah, je suis mes percus de crampes. Il y avait un dernier ravito improvisé là. Je me suis arrêté, j'ai dû m'allonger. Heureusement que les bénévoles sont super cool. Ah, ils m'ont aidé à m'étirer. Wow. Ah, il reste 2-3 km là, mais wouh. Allez, allez. En tout cas, tout le monde se soutient, ça c'est cool. Toujours un petit mot d'encouragement. Mais heureusement, parce que ça aide là. Allez. Là, c'est la tête qui pilote. Hein. Les muscles. J'essaie de m'arrêter tous les 500 mètres pour tirer tout ça parce que waouh. Mais ouais, là c'est vraiment la tête. Hein. Je sais plus c'est qui disait ça, mais la tête en marche, hein, c'est ça. Ah. Ça m'énerve parce que le cœur est bon, mais alors les jambes. Allez, allez. J'ai tellement galéré sur la fin que j'ai pas pensé à filmer. Mais voilà, la ligne d'arrivée derrière moi. Et ouais, il était temps que ça se termine là. Les mollets. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Bon bah voilà. Ça fait une heure que je suis arrivé à peu près. Au complexe sportif Paul Moreau, donc après 25 km. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Du premier kilomètre, donc ça faisait que de monter, 980 mètres de dénivelé positif. Dans la boue, dans les marches, dans les racines. Donc bah, j'y ai laissé pas mal d'énergie. Et après, entre le 10e et 15e, j'ai pu relancer. Ça a été pas mal. Mais alors après, les courbatures ont commencé à faire leur apparition et là, ça a été vraiment compliqué. Et je pense que ouais, vraiment, les derniers kilomètres, les 4 derniers kilomètres, je les ai fait vraiment avec la tête parce que ouais, c'était pas très plaisant. Mais bon, je voulais arriver au bout et je l'ai fait, donc je suis très très content. Donc tous les participants sont pas encore arrivés là, mais en tout cas, c'était une chouette expérience. Et puis il n'y a plus qu'à recommencer, et en mieux, avec un entraînement béton derrière. Mais voilà, le but du jeu, c'était de se faire plaisir, découvrir un coin, parce que bah, là, on est dans l'est de l'île.
Et bah, je connaissais pas beaucoup, même très peu. Et voilà, il y avait des paysages magnifiques, on a traversé des forêts, des jolis sentiers, avec des jolis points de vue. Après, la pluie a quand même fait... C'est quand même invité à la fête. Bon, voilà, hein, ça fait partie du jeu. L'est de l'île n'a pas menti, en tout cas. Souvent, il pleut, c'est la côte sous le vent, donc il fallait s'y attendre. Mais ça n'a pas été plus dérangeant que ça, c'était une petite pluie farine. Donc voilà, c'était même des bonnes conditions finalement parce qu'il faisait pas trop chaud. Et puis voilà, donc c'était une bonne course. Voilà, donc on va continuer à s'entraîner pour prendre encore plus de plaisir, pour finir les derniers kilomètres avec le sourire et en courant. Voilà, donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Et puis bah, je dédicace quand même ma ligne d'arrivée à la maladie de Crohn, hein, parce que bah, voilà, hein, même avec elle, je peux me lancer des défis comme cela. Et voilà, 3h43 de course. Voilà, je termine 334e je crois sur 500 et quelques. Bon bah voilà, c'est pas si mal, on va se contenter de ça et puis à bientôt peut-être sur une nouvelle course. Allez, salut. Ah oui, et quand même mon super t-shirt, je le mérite celui-là, j'ai été le chercher, hein.